Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose qui va vraiment vous faire de la peine. Je ne sais pas si vous pouvez vous retenir de ne pas pleurer. C'est une histoire qui est vraie et qui vraiment va vous inspirer énormément. Vous avez une page blanche. C'est comme si j'écrivais une histoire. C'est comme si j'écrivais quelque chose qui va être très très important. C'est un superman. C'est un miraculé. C'est un miracle. C'est un mutant. Est-ce un extraterrestre? Est-ce quelque chose de vraiment fabuleux qu'on n'a jamais vu? Si vous voulez savoir de quoi je parle, voilà, je vais vous le montrer. C'est ce que vous avez vu. Regarde. Il est sans bras. Il est sans jambes, mais il arrive à faire ce que nous, incapables d'accomplir. Le miracle existe. Il s'appelle Nick. Lisez son nom parce que je ne saurais pas le faire. C'est un personnage qui est hors du commun. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez connaître tout sur lui, vous avez vu cette flèche, vous cliquez ici sur ce texte-là avec la flèche bleue et elle va vous transporter sur Wikipédia. Vous allez lire tout sur lui. C'est le document le plus complet qu'on a sur lui. Vous allez voir. Mais je vais vous le montrer moi-même. On y va. Voilà, Nick, vous pouvez lire l'introduction. Vous avez ici le sommaire, jeunesse, enfance, révélation, carrière, vie privée, œuvre, bibliographie, vidéo, chansons, podcast, et puis là, vous allez savoir, bon, son nom, né à Melbourne, c'est un Australien. Et puis, diplôme, double qualification en comptabilité et planification financière. Rien que ça. Vous avez vu, regardez-le. Vous allez savoir vraiment son handicap, vous allez le découvrir. Et puis, il est directeur de sa fondation, je pense, de Life Without Names. Activité prédicateur parce qu'il mais il organise énormément de grosses conférences à travers le monde. Il voyage partout, etc. Formation, Université Griffith. Et sa conjointe, sa femme, là, et il a 4 enfants. Rien que ça. J'ai jamais vu un truc comme ça. Alors là, ici, vous avez la jeunesse, vous lisez, et puis vous connaissez Wikipédia, il faut absolument la consulter de temps en temps parce qu'elle va vous dire énormément de choses, plus que tous les autres, parce qu'il y a avec, par exemple, ces mots en bleu, il parle de la maladie, c'est tetraamelia, et puis vous êtes transporté sur autre chose, vous cliquez ici, on vous renseigne sur sa maladie. Et puis l'enfance, révélation, carrière, alors la carrière, conférencier motivateur, bon, il parle de comptabilité, conférencier inspirant, etc. En Afrique, Asie, Australie, Amérique du Nord, c'est pas la blague. On a l'impression de raconter n'importe quoi, mais c'est, voilà. Mais il raconte sa vie, tout ça, société biblique de Genève, ainsi de suite. Hein. Vie privée, là, ils vont parler de sa femme, de ses enfants, son père, etc. Et les œuvres. Alors, sa bibliographie, La vie au-delà de toutes les limites, c'est un livre, Unstoppable, The Incredible Power of Faith in Action, un autre livre, les vidéos, Life's Greater Purpose, j'ai pas vu ça,
et de Butterfly Circus. Ça, c'est un film qu'il faut voir. Il est prévu dans le PDF que je vous envoie. La chanson, il a chanté une très belle chanson, Something More, interprétée par lui, etc. C'est en 2011. Et podcast, etc. Sa vie vraiment est pleine d'événements, pleine de choses extraordinaires. Il nage, il joue au golf, il fait du surf. Vraiment, il fait tout. Moi, je fais pas ce qu'il fait, alors, avec mes jambes et tout ça. Voilà. Mais je suis handicapé de la tête. Voilà. Ok? Donc, ça, on va l'oublier et on revient à notre PDF. Alors, le PDF, on va aller chercher autre chose. Dans la deuxième page, vous allez découvrir, je pense, 10 vidéos YouTube, un film, il y a un film. On va voir. C'est la rubrique, c'est pas hashtag partage comme toujours, un mindset d'acier. Pas de fer, d'acier. Et là, c'est le jugement des gens pourrait te détruire. Donc, c'est une conférence. Là, c'est une autre conférence. Là, ils jouent au foot. Ils jouent au foot. Là, ils sautent en parachute, bien entendu. Là, c'est toujours une conférence. Là, c'est un truc de questions-réponses lors de, je pense, d'un livre qu'il a sorti. Et là, c'est son film. Et là, quand il était tout petit. Et là, c'est une grosse conférence présentée par quelqu'un d'autre. Et là, c'est une vidéo aussi qui parle grosso modo. On peut toujours trouver un sens à sa vie. Je ne peux malheureusement pas cliquer sur toutes ces vidéos parce qu'ils utilisent de la musique. Et pour la musique, je trouve toujours des problèmes avec YouTube parce qu'ils me demandent toujours de retrancher les partie où il y a justement cette musique. Donc, l'alternative pour vous montrer tout ce qu'il sait faire, moi, je vais vous mettre sur un site où il y a des photos qui remplaceront les vidéos. Mais là, il faut savoir que ça, c'est un film, ça, c'est des conférences, etc., etc. OK? Bon, voilà. Nous sommes sur les images de Google. Alors là, on le montre handicapé, là il est avec sa femme, là il est avec un de ses enfants, là je sais pas où, ils sont en plage, en famille, etc. Il nage, il va beaucoup à la plage, il va beaucoup à la plage, etc. Donc c'est quelqu'un de très très actif, il est vraiment très amoureux de sa femme, elle aussi. Et puis voilà, il s'occupe des enfants, des autres, etc. Sa femme ici, elle est enceinte. Et puis il joue au golf ici, il fait je sais pas quoi ici. Voilà, il est avec tout le monde. Là, il fait carrément, il est sous l'eau, hein, il nage, avec rien, il nage. C'est un magicien, c'est un Superman. Voilà, il est partout, il est vraiment aimé par tout le monde, mais il a complètement renversé sa condition de vie. Il est devenu quelqu'un de très très important. Voilà, il a des jumelles, des jumeaux. Franchement, il fait des sketchs devant tout le monde en parlant de son handicap. Comme ça, il le retient. Il a un truc extraordinaire, c'est quand il commence une conférence, il commence à faire le clown. Comme quoi, voilà ce qui lui arrive, voilà c'est comment il fait, où sont ses jambes, qu'est-ce qu'il fait avec ses jambes, et puis l'étonnement des gens et tout ça, il les fait rire énormément, énormément, et puis il entre, pac, il joue au foot ici. Il entre dans le vif du sujet où il montre vraiment que c'était impossible pour lui de faire quoi que ce soit et que c'est grâce à sa volonté qu'il y est arrivé. Vraiment, on n'arrive pas à sa hauteur. Malgré, nous avons des jambes et des pieds en plus que lui,
mais il a une volonté, un cerveau qui fait, c'est pas moins 10 fois ce que nous pouvons faire. Il utilise vraiment l'entièreté de son muscle cervical. Nous, on est handicapés de ce côté. Je reviens à mon... N'oubliez pas, il faut cliquer sur toutes les images et vous serez dans une vidéo différente. Donc, n'oubliez pas que ce partage a été fait par hashtag partage. Hashtag partage, c'est des formations, de l'inspiration, du mindset et beaucoup de choses faites par les grands du web, comme lui, par exemple, ici. Moi, je le place en tant que quelqu'un qui fait du mindset mieux que les meilleurs au monde. Parce que lui, c'est un cas exceptionnel. Et puis, moi, je publie chaque jour. Chaque jour, je publie une fois, mais avec des contenus. Comme ici, par exemple, j'ai un contenu ici. Et puis, j'ai 10 contenus, ça fait 11. Et puis, bon, si vous voulez savoir ce que je fais pour aller directement dans ma chaîne YouTube, dans la côté vidéo, pour regarder tout ce que je peux vous envoyer, c'est chaque jour, hein, les vidéos, c'est chaque jour, complet dimanche, jour férié et tout ça. Donc, vous cliquez ici, vous allez être transporté vers ma chaîne. Ok? Voilà, et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager énormément avec vos amis parce que ça peut leur servir, cette histoire-là. Et puis, voilà. Okay.